Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le crash test d'un fer à lisser qui m'a été gentiment envoyé par Cdiscount, donc merci beaucoup. C'est la marque Erissim, je sais pas si vous la connaissez, moi je la connaissais pas. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à venir me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif par rapport à YouTube, que voilà. C'est parti. Voilà la bête, donc c'est de la marque Liss by Erissim, donc de la marque Erissim. C'est un fer à lisser professionnel, large plaque flottante, revêtement nano-céramique AG+. Donc ce qui est bien, c'est que ce fer à lisser, il correspond aux cheveux afro, bouclés, ondulés et lisses. Donc ça, c'est super bien, ils ont pensé à tout le monde, personne n'est mis à l'écart. Donc pour ouvrir le paquet, donc c'est un système d'aimant, c'est super facile, vous ouvrez comme ça. Donc à l'intérieur, vous allez trouver le bon de garantie de 2 ans avec un manuel d'utilisation. Donc il y a à peu près toutes les langues. Vous avez avec 2 barrettes et ensuite vous avez avec 2 plaques comme ça que vous accrochez sur le fer à lisser. Donc il y a la brosse intégrée ainsi que ces 2 petits engins pour faire descendre votre plaque sans que vous vous brûlez. Donc alors voilà le fer à lisser. Il est super beau. Donc il s'ouvre avec un système de code. Donc regardez, là vous avez le cadenas qui s'ouvre. Ça veut dire que ça fait ouvrir le fer à lisser. Donc je clique dessus. Et voilà, ça s'ouvre super facilement. Et du coup pour le refermer, vous avez juste à retourner le fer à lisser. Vous la pincez et vous refermez comme ça. Donc c'est super bien, vous n'avez pas besoin d'enrouler le fil sur le fer à lisser. Et ça l'abîme pas du coup. Donc à l'intérieur vous avez 2 plaques chauffantes. Super épaisses, franchement ça c'est trop bien. Avec le bouton on et off, le classique. Et les températures, donc c'est pas en degrés, c'est en chiffres. Donc c'est de 1 jusqu'à 4. Mes cheveux, ils sont pas lisses. Je les ai lavés il y a 2 jours. Je vais faire un test et voilà. Voilà à quoi je ressemble après avoir brossé mes cheveux. Je crois qu'on a tous le même problème. Avant de brancher la plaque, il faut placer ces petits embouts. Là où il y a écrit lisse, vous le mettez du côté où il y a écrit lisse. Je le mets en on. Et pour la température, je vais mettre au maximum. Ça chauffe super vite. La plaque, elle est déjà chaude. Moi, quand je fais ma plaque, j'aime bien faire d'abord ce côté et ensuite ce côté. Donc, si vos cheveux sont un peu mal démêlés, vous inquiétez pas, il y a une petite brosse avec qui va vous aider. Regardez ça sur un seul coup. Franchement, ça va, c'est un beau rendu, je trouve. Je vais faire un deuxième coup. Hein. Regardez. C'est pas trop beau quand même. Chaque fois que je fais la plaque, en général, j'ai la brosse avec qui m'accompagne. Et maintenant, elle est intégrée. Donc, franchement, ça, c'est trop bien. Regardez mes cheveux, comment ils brillent. Après, peut-être que la brosse, là, elle peut vous déranger parce que ça fait mal un peu quand même quand tu brosses. Vous pouvez l'enlever, donc ça, c'est facultatif. Vous l'enlevez, vous le remettez. Alors voilà, en même pas 20 minutes, j'ai déjà fait ce côté-là. Regardez comment ça brille. Bon, du coup, je vais faire l'autre côté hors caméra et on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai fait l'autre côté. C'est magnifique, c'est trop beau. Conclusion, ce que je retiens de ce produit, c'est déjà, il est adapté à tous les types de cheveux. Donc vous pouvez le voir juste ici, ça c'est super bien. Je la trouvais un peu petite pour ma part. Je pensais que c'était un truc surtout format voyage. Mais justement, pas du tout. Elle est super bien faite. Genre, elle est petite, elle prend pas trop de place. Mais comme je vous ai dit, les plaques chauffantes à l'intérieur, elles sont super épaisses. Du coup, ben, en vrai, c'est égal à une plaque classique, on va dire. Et donc, il y a aussi l'accessoire pour ranger le fer à lisser. Ça, c'est trop bien. Du coup, vous avez ces 2 petits embouts que vous tenez et vous faites passer la plaque. Et c'est pas du tout chaud. Et ensuite, vous avez le fil qui est super long. Genre, il est vraiment très long. Donc, c'est la fin de ce petit crash test. J'espère que je vous ai bien présenté tout le produit avec toutes ses caractéristiques, etc. Après, il faut prendre en considération que là, on est en été, il fait super chaud et la plaque, elle dure genre... Franchement, c'est trop bien.
Franchement, je valide à 100%. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la plaque avec tout ce qu'il en contient. Donc, il y a aussi la garantie 2 ans, il ne faut pas l'oublier. Donc, je vous mets tout en barre d'infos. Si vous avez des questions en particulier sur le fer à lisser, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Je vous répondrai avec plaisir. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!